qui te financé assassinat président Jovenel Moïse commence à paraître vrai visage. Maître Newton Saint-Just, avocat l'État haïtien, dénoncé magouille Premier ministre Ariel Henry, ministre Justice Laberto Dossé, et directeur DGI a fait un moment pour que y aurait mettre centrale électrique Varoyo à famille Vob que président Jovenel Moïse te retiré en bas griffio depuis un bel bout de temps. Et centrale électrique ça yo vle reprendre contrôle li et yo vle faire l'état haïtien payer un total de 40 millions de dollars vet comme dédommagement. L'état a bail 1.5 millions de dollars chaque mois. Peuple haïtien, calé jour bagay la papiti. M'bral bon détail, gentil proverbe créole l'a dit, complot pirade passe wanga. C'est sous parole, ça m'a dit, ou bienvenue, pendant m'a invité, ou aller chez ou chita, fouko zami info pao, rentrer la caille ou c'est un plaisir, m'bral ba ou tout tripota isa yo nan bon timamite, sans retirer et sans mettre. Bonjour, bonsoir tout le monde, comment nous y est? Encore une autre fois, m'a dit ou merci. Merci parce qu'on fait une confiance pour nous informer ou, et merci pour fidélité ou ak patience ou. Merci parce qu'on like, merci parce qu'on abonne, et merci parce qu'on partage vidéo, ça fait nous plaisir, en pile. Encore une autre fois, ou sou fait tomber sous channel là, pas hésiter à tout pour l'état dédommager yon total de 40 millions de dollars américains. Bagay yo pas piti. Mais frères et sœurs, nous connaît contrat ça qui était signé dans l'année 2008, côté l'état haïtien tapé yon total de 12 millions de dollars chaque mois pour bail courant. Et tandis que même dans Port-au-Prince, pas de jambe gagné 4 heures de temps courant. Est-ce que vous songez la Jovenel Moïse t'a détaillé comment yon fait complot sous EDH, comment yon volé centrale électrique Vareux? Sogener, vous parlez de cas Sogener. Là, Sogener son cas spécial. L'usine de Sogener, c'est l'usine de Vare. Cette usine appartient à l'État haïtien. C'est pour tout le monde clair sur ça, vous connaissez. Parce que je dis, pas de bien caché l'ombre. C'est dit, la jeune lié. L'usine, c'est pour l'État lié. Bon, il y a été fait dans un contrat qui fait là. Ils font un contrat de service pour 5 ans. Sous tête contrat de service, ça, ils prennent avenant 14 ans. En 2008. Avenant 14 ans ça pour finir 2023. Moi-même, ce n'est pas le job. C'est le job moun qui fait droit administratif, moun qui gros savé, même pas le travail sur ça pour qu'on ait comment que un monde est capable de bailler un avenant sur un contrat. Sur un contrat 5 ans ou un avenant 14 ans. Moi, pas fin fort. Non, ça. C'est pas domaine. Pas. Mais gros monde qui fait droit dans la loi, dans l'État qui monde qui connaît tout, yo pas le chita pour discuter et Sogener pour discuter avec yo pour connaître comment gros erreur ça fait. Parce que yon avenant, li représente 30% de yon contrat. Ça veut dire pour cas central Vareux, ou parler de Sogener dit gaz a fini et le 28, m'a clair pour me dire l'État c'est lui-même jusqu'à présent qui autorisé les mon a commandé gaz, qui autorisé pour commander gaz. Moi connais EDH avec ministère finance, yo pas le travail pour connait comment pour yo capable fournir et opérateur parce qu'aujourd'hui Sogener est un opérateur, ce n'est pas le propriétaire. Sogener n'est pas le propriétaire de la centrale de Vareux. Cette centrale appartient à l'État haïtien. C'était une centrale construite en 1979 par l'État. Et c'est même la commission de modernisation des entreprises publiques que mandé document sous lit. Yo pas jamais capable remettre mes documents et yo dit non. Nan entreprise publique que qui t'est passé dans modernisation yo va re pas la donne. Yo t'ai fait minuterie d'Haïti que l'état gagne 30% là dedans jusqu'on y a parce que c'est la loi. L'état pas capable vendre usine à 100%. Entreprise a dit à 100%. Ciment d'Haïti, l'État haïtien a un pourcentage là-dedans. Téléco, que l'État haïtien a un NAPCOM, il y a 40% là-dedans jusqu'à présent. Mais pour la centrale de Vareux, les centrales de Vareux, parce que Fonclair, c'est mon seul central. Non, il y a Vareux 1, il y a Vareux 2. Mais on connaît que Guinou Vareux 3, qui c'est peut-être des groupes sous mobilette qui ont entré avec eux en une usine. Maintenant, reste qui gens ça pourra le faire. Entre, parce que nous pas dans la guerre à personne, entre l'État haïtien
Esogène pour que transfert usine en fait, moi pas entrer là-dedans. Moi même mission PAM, c'est protéger l'intérêt peuple là. On finit déjà mission PAM. Non. Et ça contrario, yo coupé. Est-ce qu'on entend des causes? Est-ce que nous entendons mes amis? Contrat service qui fait à l'État pour 5 années. Dans même contrat service là, yo prend un avenant 14 l'année en 2008. Gon gros coquin qui fait là. Mais qui ça avenant vle di? Le ou yo prend avenant sou yon contrat, li important pour comprendre qui ça ça vle di. Donc moun ki nan doit déjà comprendre de qui ça m'a parlé. Bon, défini pour nous avenant juridique. Eh bien, avenant c'est un langage utilisé dans droit qui capable permettre ou modifier condition yon contrat sous ça nous te dit à la base. Bon, m'expliquez-nous bien. L'État haïtien fait un contrat 5 ans. Eh bien, en 2008, sous même contrat 5 ans, yo pral pran yon avenant 14 l'année. Si yon fait l'an 2008, sûrement l'a fini nan 2023, entre 2024. Nous comprenons la cause. Ça dépend de qui moi le signe. Donc, frères et sœurs bien-aimés, si yon si yon contrat ensemble ou, avenant qui vle di, avenant qui c'est un langage utilisé dans droit qui permet de modifier condition. Si me signe un contrat ensemble avec ou son contrat route. Me signe ensemble avec l'état, un exemple m'a prend ensemble avec ou. Moi te connais une série de matériel pour m'acheter. Ça qu'arrivé matériel yo monté. Mais me te signe un contrat ensemble avec ou pour 5 l'année. Matériel pral faire route yo ça qu'arrivé prix augmenté parce que si dollar américain te 15 good eh bien ça qu'arrivé avant 5 ans fini dollar américain passé à 20 good les ça si me signé contrat pour 10 millions dollars comme te prend yon avenant eh bien avenant pral permettre moi modifier contrat pour me dire ah li pap ka fait pourtant encore parce que dans telle année me décis ensemble akou mais comment tel bagay te vann eh bien journée jodi a 3 ans pita mais combien le vann mes frères et sœurs bien-aimés qui ça la loi dit sous dossier avenant ça donc si me signe un contrat ensemble avou pour 5 ans avenant permettre moi modifier condition de fait ensemble avant là à 30%. Li pa ka plus. Donc, moun ki fait droit administratif, yo comprendre ça pi bien parce que si msi yon contrat ensemble avant pour 5 ans, avenant pa ka 14 ans mes amis. Parce que à partir de 5 ans, contrat a fini. Comment on fait pour avenant pour 14 l'année? Est-ce que nous est corruption en frères et ça veut dire, comment vais-je sous 5 l'année? Contrat à bout, comme étant donné, nous te prenons un avenant 14 l'année, eh bien, ça qui pourra le passer, 6 ans, ma s'il continue à augmenter l'argent, m'a augmenté jusqu'à ce que nous venons à bout 14 l'année, tandis que nous te signé un contrat pour 5 ans, depuis 5 ans, m'bagé, aucun avenant m'a continué encore. Donc, c'est là, frères et sœurs bien-aimés, yo pral parler nous de la surfacturation. Donc, nan mandat ou yo reproche moun yo pour surfacturation, c'est ça. Ou bon contrat 5 ans, eh bien, ma pon avenant pour 5 ans sous contrat. Comment le fait 6 ans? Comment le fait 7 ans? Comment le fait 8 ans? Comment le fait 14 ans? Donc, depuis 2008, nèg yo fait crime ça dans le pays. Pas jamais un avocat qui parle sous ça. Pas jamais un journaliste qui prononce sous ça. Et puis toute journée, on entend des séries de moun qui prennent grade national et international dans le droit, dans ceci, dans cela, dans cet autre bon. À qui ça sert?
Les on vini frères et sœurs bien-aimés, gardez nous on vini gros militants, etc. Y a bataille pour le pays. Mais pour qui ça point ça yo, yo pas jamais touché. Et puis c'est Jovenel qui pral vini juste en 2017. Tenez bien oui. Nèg yo prend avenant depuis en 2008 sous contrat 5 ans pour 14 ans. Et puis c'est en 2017 Jovenel pral parler de ça. Et les Otefel, c'était sous Préval. Mateli passé. Privé passé. Est-ce que nous comprenons, frères et sœurs bien-aimés? Pour qui ça, gros journaliste, qui a 50, qui a 40, qui a 35, qui a 20 ans dans le pays, qui a informé la population, pas jamais parler nous de ça. Donc, sous-facturation. Contre fini ou s'il continue après avenant ou a augmenter prix ou a augmenter prix ou a passer monter pour 14 l'année tandis que on t'a signé un contrat service pour combien l'année pour 5 ans mes amis frères et sœurs mes amis qu'on y a là li important pour nous connaître combien cob nèg yo t'a touché dans l'état chaque mois après on t'a fini signer contrat ensemble avec yo on suit gen problème ak moun k'ap piye l'état et c'est pour ça m'prend décision mwen dil faut la justice li fè travail li on nèg ou sorti pou piye l'état faut yo meto on côté c'est rôle en juge d'instruction on moun ki pè pa prend job l'état même c'est pour ça jodi a m'prend responsabilité mwen pa ka konnen gen moun après bon dieu ki gen pouvoir passer nan pays c'est mon président pays ça dit jodi a m'prend décision mwen di non. Dans les affaires nèg qui connaît que cob l'état son cob ou bien yeux doux qu'on fait toujours suspend ça dit dans affaire courant moi dit le prend décision centrale vareux que me prolonger baoua moteur que on te mettait là-dedans on blé doux ça aujourd'hui à peuple là c'est des moteurs usagés qui ont été c'est des moteurs rebil c'est de refurbish et me bon monde défi pour venir prouver c'est des moteurs neufs parce que m'gien serial number yo. Et m'de dit ma parle avec nous aujourd'hui à tout caca chatap de yo. L'argent que t'es prêté dans BNC pour te faire central vare 30 millions de dollars, pas un 10 millions de dollars qui dépense là-dedans. L'argent dépense pour aller faire l'autre bail, pour faire usine dans l'autre pays, pour faire l'autre entreprise remonter. Même central vare ça, qui t'es pour l'État, même l'État ça a fait un contrat 1,1 milliard de dollars avec elle. Aujourd'hui, m'a décidé de remettre le 9 pour me retirer tout. Moteur réparé ça, mettez-le sous côté parce que vous pas bon. Je vais expliquer pour qui ça que vous pas bon. De 1er octobre 2019 au 30 juin 2020, jeudi à nous 18 juillet, l'État haïtien dépensait 12 millions de dollars par mois pour bailler courant dans le pays. Ça veut dire 12 millions de dollars pour blackout chaque mois. Moi, juin là, nous sommes dépensés 12 millions de dollars. Ça veut dire, ou même, ouvrier de H Cap Gadem là, est-ce qu'on est fier de ça? Dans 12 millions de dollars, il y a 8,8 millions de dollars, c'est dans l'IDH qui est passé. Ce n'est pas pour payer pour payer employé, non? 8,8 millions de dollars pour bailler courant. Combien de courant IDH bail pour moi? Répondre. Nous-mêmes ouvriers, pas quitter le monde, mettez-nous devant. Je ne peux pas camper, je dis, je choisis un monde pour nous collaborer ensemble. Pour nous mettre aider à camper, je ne veux pas. C'est pour ça que je prends une décision. Par exemple, jeudi, pendant que je parle avec nous, sur le réseau métropolitain, il y a 44 MW. Dans 44 MW, là, Pelic by 18, il y a 25 ou quoi. Ça fait 25 plus 18. Ça fait 43, c'est ça? Aider à by 1 MW. Pour 8 800 000 dollars. Je dis à Kakachat Lap dehors. Parce que nous, bouquets, et je prends des décisions, je prends tout le monde comme ça. L'homme dit, je mets la lumière dans le pays, je fais un choix. L'homme fait, je fais pour nous. Je ne fais pas choix pour te... Je vais aller moi-même. Mais je fais choix parce que même j'aime d'aller mettre 4 moteurs au caille. Qui est équivalent 5,4 MW. Mal mettre 4 moteurs Tiguave qui est équivalent, qui équivaut 4 MW. Juste
pendant ma parler là, yo pas jamais synchronisé. Est-ce que le normal? Et puis jodi a moi prendre décision et puis nous pas camper derrière. Est-ce que le normal m'acheter des moteurs, c'est des moteurs l'état ou tu acheter des bails pour yo. Tout moteur ensemble te coûter 2.3 millions de dollars. Ndal découvrir derrière au palais, yo te serré mon bail 8 moteurs. Juste qu'on y a un moteur pas synchronisé. Qu'il aime moué pour format hier. Pour format daté de janvier 2020. Combien de cob pour moteur au caillot synchronisé 90 000 dollars. Combien de cob pour moteur si vous avez synchronisé 90 000 dollars. Ça veut dire moteur coûte 2 300 000 dollars et puis 180 000 dollars fait que moun tigwa moun au caillot pas jamais de quantité courant que moteur au caillot. Est-ce que nous comprenons ça normal? Ouvrier dans l'EDH, ressaisis-nous. Syndicat, c'est pour nous, avec nous, m'a parlé. C'est pour nous poser question aujourd'hui. À le poser. Moun kap dirige EDH. Syndicat, faut réunion avec eux. M'a voulu nous gouma personne. À le dire. Sa président a dit. Est-ce que. Bon, mon explication sur lui. C'est pour ça nous là. Nous-mêmes qui sommes dans le syndicat, dis-moi une explication sur ça. Comment faire moteur au caillot pas synchronisé depuis le mois février? Je parle de ce coronavirus. Mais pour faire ma bouche, c'est hier, mon connel. Et pourtant, pour faire ma après, depuis janvier. Janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, 7 mois. Ça veut dire, gon pied. Nous avons conduit. Nous-mêmes, le peuple a conduit. Lorsqu'on tire sur l'accélérateur, on va descendre au monde. Ils ont mis des. Sous frein. Ça veut dire des achats. Gon pied qui sous frein, ça veut dire machine n'a descendre tout petit. Ça veut dire pour le président, rien t'a allé. C'est pour ça, c'est février 2021. Pour bal arrêter Jean Lier. Pour la terre tourne autour du soleil. Et puis pour elle tourne sur elle-même. C'est autour du soleil net la tourne. Il n'y a pas de tourner sur lui encore. Central ça. Qui pour l'État, central va rire. Qui m'a l'État, m'a l'île net. Qu'on y a map dit nous maintenant. Nous souhaitons parler avec nous de centrales au Cap. Nous souhaitons parler avec nous de centrales Gonaïve. En avant de river sur centrale, barrer avec nous, on parle de sacrifier Jérémie. Ou même syndicat, ou même ouvrier EDH. Nous avons même pour nous sacrifier Jérémie. Comment nous well? Trois moteurs neufs qui n'ont coin. Chaque moteur, 1350 kW, ça veut dire 1.3 MW. Jérémy besoin de 2.2 MW pour le gagner 24 sur 24. Et puis il y a 4 MW qui n'ont coin, il va installer. Jérémy il y a 3 aides dans le coin par jour. Comment nous voyons ça? Aider à ça, je besoin de ressusciter pour mettre sous le monde. Comment nous voyons? Mes amis, ressaisis-nous. Reprenez-nous. Bagala bagala pas ka rien bien caché l'ombre encore a fait courant ça son bail qui même j'aime de ouais sur réseaux sociaux un monde qui te dit gros ancien président qui te dit de bon monde parler d'affaire courant pays a écrasé déjà courant rien en boule déjà jodi a c'est pour courant lui-même et mais pour lui-même c'est nous pour camper derrière m pas ka en général sans soldat peuple là on comprend nous déjà nous camper déjà. Parce que vous avez chauffé tête nous depuis que je finis de parler avec nous. 15 octobre 2019, là, vous comprenez nous. Mais, vous venez dans l'EDH, syndicat, je dis ça avec nous, je parle. Je suis pour un défi pour vous dire que dans la feuille de route, pour présumer que vous avez une feuille de route pour la révoquer, pour la faire chasse aux sorciers dans l'EDH. Mais une feuille de route pour que trois moteurs arrêtent dans le coin. Dans la centrale, Jérémy encore. C'est feuille de route ça, présumé. Les gens feuille de route pour que l'État haïtien pas paye 8 800 000 dollars pour 1 mégawatt. Ça veut dire que EDH pas utilisé 8,8 millions de dollars pour le produit 1 mégawatt. On gagne 1 mégawatt toujours aujourd'hui. C'est mission ça, monsieur. Monsieur a gagné une mission pour 8,8 millions de dollars dépensés, mais pour EDH produit 100 mégawatt. 150 MW, 130 MW, c'est mission ça rien. Il a une mission pour venir faire chasse aux sociétés dans l'EDH. Il a une mission pour venir collaborer avec vous. Pour que la réforme qui vous faites dans le secteur, je ne commence à continuer.
centrale électrique. Vare 1. Vare 2. Gen espace, li ka pran 4 moteurs 18.8 MW. Ça veut dire qu'on contrôle 18.8 multiplié par 4. 2 fois 18, 36, 4 fois 18, 72, 4 fois 8, 32, ça fait 75.2 MW plus ou moins. Pour VARE 2. Prends notre. Nous-mêmes, quand on a une EDH, pour nous poser, je vais parler de vous avec le syndicat, gauche à droite, question, expliquez-nous ça, président, dit là. Pour expliquer nous comment, j'aime dire nous, c'est pas ça, c'est deuxième phase de parler là. Maintenant, mais pas oublier pour deuxième phase là pas faite. Pour le président aller 7 février 2021, pour la Terre tourne autour d'elle-même, mais elle tourne autour du soleil. Les papes tournent autour d'elle-même encore. Elle avait dit, maintenant, faire des moteurs 18.8 MW. Dernière centrale moins ouais installée, nous venons aller sur YouTube, n'importe journaliste, à regarder centrale que maintenant une centrale 140 MW que man installé Nicaragua en 2017. Ça veut dire, centrale VARE 2, moins dit, nous allons mettre 75.2 MW. Et centrale VARE 1, il va y avoir 5 moteurs. 5 moteurs de 18.8 MW. 5 fois 18, bon, 90, c'est ça. Ça veut dire que c'est plus ou moins entre deux centrales, 5 fois 8, 40. Entre deux centrales, nous avons environ 188 MW. Mais pas oublier, pour produire 188 MW, va sur deux centrales. Deux centrales, ça, à eux deux, il n'y a pas même qu'arriver, non. Mais on va le dire, oh, le président, il menti, ça, il est président, c'est si, mais il n'y a pas de mauvais jour pour nous que mon texte qu'on fait longtemps, c'est arrivé jusqu'à 10 MW comme pigou. J'ai diable hein, construit des moteurs qui arrivent jusqu'à 20 MW. Il n'y a pas de ça, même gros. Mais avantage, il n'y a ni moteur qui va l'installer, moi nous allons l'installer, Cap-Haïtien, Gonaïve et Varouyo. Et ni turbine qui va l'installer, Cafouyo. Il n'y a pas de boulet, mazout seulement. C'est des moteurs multifuel ou bien dual fuel, Jean Blandia. Ça veut dire il n'y a pas de boulet, mazout, gaz naturel, propane. Ça veut dire automatiquement installé ou qu'a commencé le travail en attendant que nous connaissons tout, faut tout dire nous ça. Un gros travail qui commence à faire qui pour permettre que gaz naturel là qui sont pas quatre l'argent pour dépenser pour faire terminer gaz et naturel, gon l'autre forme que au fait gaz naturel là qu'on y a au comprimé. Quête monsieur. Frère c'est ça bien aimé. Est-ce qu'on comprend ça qui passe là? Central VARE yo, qui pour l'État, yo signé un contrat service pour 5 l'année, yo pral pren yon avenant 14 l'année, yo volé central là. L'État haïtien pral bay un total de 30 millions de dollars dans BNC. Laisse ça, c'était Préval qui était président pour capable réparer usine yo. Eh bien, frères et sœurs bien-aimés, même 10 millions de dollars pas dépensé. L'agence Sabral construit usine tout neuf, belle bagay, cute en République Dominicaine. Et s'entendez à la caille, c'est moteur ribine. Et ça grave dans cause, hein. Même l'État Sabral vend gaz à crédit pour yon bail courant. L'État haïtien pral signer un contrat ensemble avec yo pour combien millions de dollars? A l'autre kapoula avec Haïti, papa. Il pral acheter service dans mes yo. L'ité pour lui, yo volé, il pral acheter et paye rangel. This is my country. Donc, et ça qui grave là, yo ba nous courant seulement dans Port-au-Prince pour 4 dedans. C'est notre pays. Yes. Donc pas jamais de moun qui jamais parler nous de ça. L'argent a fait. Et ceci chaque mois nèg a touché un total de 12 millions de dollars. On font ti calcul frères et sœurs.
ça, ça qui reste dans la cause, c'est que les gens qui ont un compte qui open dans la Banque centrale. Si Dimitri t'a dormi, il n'a pas allé chercher comme là, ou bien il y a une crise. Bagayo red nan peyi a pa gen l'argent wa samdou la just prend nan réserve banque centrale open open frères et sœurs bien-aimés entre kaboul avec haïti comment ta vle pour pa rayi Jovenel touye Jovenel qui prend décision comme ça pour couper contrat 12 millions frères et sœurs bien-aimés 12 millions hein 12 millions Mais Sami, combien l'année pour faire travail pour gagner 12 millions? Eh bien, bon, m'expliquez nous. Si nous prenons à partir de 2009 pour arriver 2019, nous avons touché 12 millions par mois. L'on fait 12 millions, multiplié par 12 mois, ça baille 144 millions. L'on prend 144 millions, ça. Pendant 10 l'année, vous voyez combien il baille 1 milliard 400 pour aller. Quand il y a là, il y a un petit nègre tête grune qui sorti dans le trou du nord qui vient à parler cause ça, qui a dit nègre, qui a dénoncé la surfacturation nègre a fait, ou pensez le t'a prêt vivant? Est-ce qu'on pense le t'a prêt vivant? 1 million de dollars trop pour nègre craser pays en poudre. On prend par exemple, yon retire 1000 dollars américains pour payer fête manifestation à tenir la ria krasé brisé. 1000 dollars américains égal à 100 000 gouttes haïtiens. Donc, frères et sœurs bien-aimés, si nous changeons à 100 gouttes, 10 dollars américains égal à ensemble avec 1000 gouttes. 10 dollars américains égal ensemble avec 1000 gouttes. Lorsque 100 dollars américains ou 2000 dollars haïtiens. Donc, ou ap krasé, ou ap brisé, manifestation, krasé brisé yon bon 1000 goud. Donc, ou soti al krasé brisé pour 10 dollars américains. Pour 10 dollars américains, ou al mette difè nan poton électrique, kap installé, kap rete pou payer. Ou mette difè la dan yon. Pour 10 dollars américains, ou boulet ti machine frère là. Pour 10 dollars américains, ou al vale gaz dans la ria. Pour 10 dollars américains, ou fait 4 ans. Pour 10 dollars américains, ou campé des barricades. Tandis que, nèg yo même, gade, c'est 12 millions à entrer chaque mois. Quitte pays à craser, quitte la boule, quitte l'idée bouleversée, quitte la disparaître, 12 millions. Ban kokorat sal. Donc, frères et sœurs bien-aimés, et rappelez-nous, déclaration Jovenel te fait, sous cause Zotobre qui te vine par la vel dans dossier courant. Entendez cette déclaration ça. Mon bon ami, je me dis, moi, président, on va faire courant, j'en vois chaud là-dedans. Si nous votons pas ça, il va y avoir mort d'homme. Anyway. On va équipe bon pour développer un pays, on gros français qui est en parler là-dedans, pour aller gagner mort d'homme. Hein? Courant. Si le pays arrive courant, il va y avoir mort d'homme. Ça veut dire que ça fait courant. C'est un cousin dans courant qui va le prendre. Et tout le monde comme ça, courant le dit. Ça courant le dit pour mon pays. Mais comment pour nous-mêmes ou pour un job dans mon peuple? Ou pas Tant pour moi, même je dis à pour mal de mon peuple, je fais un bon job, mais pour mon peuple, jamais, quitter le job là, remettre le job là. Moi là, je fais un job population, ça veut dire pour me servir. Même je ou même, ou aller dans l'élection, ou bon job dans le même monde, ou pas venir dans n'importe quoi, pour paix qui ça. C'est pour camper, pour gonfler, bon et tout, pour nous faire. Donc, l'offre de toute cause, ça, mon qui dit yon bataille contre système. Journaliste depuis 1900 jamais qui a fait bec fait des micros. Comment nous sentons? Comment nous ouais? Politicien qui tient une bataille contre le système. Gros avocat garde nos cap défendre à moun, cap défendre pays qui c'est militant. Après tout dossier ça, comment nous ouais? Comment nous garder tête nous devant miroir? Frères et sœurs bien aimés, entendez des déclarations, M. Newton Saint-Just dans le dossier Sojourner. C'est extrêmement important.
Le 21 novembre dernier, doyen tribunal civil Port-au-Prince-Lan, Jean Laloi permet de faire ça, de prendre une ordonnance pour te permettre que l'État haïtien reprenne possession de Varou 1 et Varou 2 pour lui déjà. Et ce qui a été fait, disons le 22, nous reprenons possession Varou 1 et Varou 2 pour le compte de l'État haïtien. Et Jodia, ce génère, t'es invité dans le tribunal, côté que l'État a demandé à doyen pour retourner sous décision et remettre en possession Varou 1 et Varou 2. Faut nous dire que hier, dans le même sens, dans tout, avocat ce génère, t'es un rendez-vous devant doyen pour te joindre. Annulation mandat d'amener derrière yon paquet moun dans ce génère jodia. Et dans les deux cas, que ce soit pour mandat yo, que ce soit pour reprise possession Varou 1, Varou 2, eh bien, et la justice tranchée, parce que nous autres, avocats de l'État, nous faisons action en récusation en masse de tout juge dans le tribunal là sous deux affaires ça yo. Sous deux affaires ça yo. Pas aucun juge dans le tribunal civil, dans le tribunal premier instance, qui attendait à faire ça. C'est la Cour de cassation qui pourra décider sous cas ça. Donc, il y a deux conséquences dans le cas ça. C'est que les mandats d'amener au debout, depuis la police, croisé avec Mounsa ou dans ce génère qui a un mandat derrière, et bien la police doit mener à la justice. Moi, Jean, la police a un appétit pour aller derrière Anel Bélizère. Moi, ça fait rapide, il a fait une conférence de presse et dans ce maquillage d'elle, il y a le baril, juge Jacques Mel. Est-ce que ce n'est pas même la police, ce n'est pas même Mme Damné, d'ailleurs Mme Damné, ça a fait même le. C'est même la police, c'est même autorité qui dit elle cherche Anel Bélizère, qui dit elle cherche Mounso Généreux, tout. Ça veut dire que, faut que Mme Damné, ça n'est pas pour faire décoration dans le DCPJ, il faut la police à l'exécuter. Quel que soit à côté ou capable de mourir, même j'avais Anel Bélizère, il faut qu'il soit capable d'arrêter. Il faut qu'on signale que la justice, ça a gagné là, je vous dis. C'est bon, justice qui a protégé, il y a un groupe de monde qui a l'argent, qui a une belle couleur, etc. Maintenant, deuxième conséquence, c'est que l'ordonnance gracieuse que le juge l'a terrain, il te permet que l'État ici reprenne possession de ce génère jusqu'à nouvel ordre. Ça veut dire que, je vous dis là, c'est l'État haïtien à travers EDH qui gagne contrôle et sojenère, disons espace sojenère, qui a occupé, qui est Varou 1, Varou 2. Et le moment où on a parlé là, c'est recrutement qu'a fait, c'est interview qu'a fait avec des mouns qui étaient dans sojenère, qui voulaient toujours travailler pour EDH. Donc, son processus qui est presque fini pour que permettre que des mouns qui voulaient continuer de travailler, pour être capable de travailler. Donc, ce n'est pas opération pour chasser mouns, pour mettre mouns dans le chômage. Et le message qui est clair aujourd'hui, dans cette affaire, l'État haïtien sont partis, même gens avec ce génère, chaque samedi, nous avons besoin de nous demander, nous accorder nous, si vous voulez, si la justice est capable, et nous voyons que l'État quoi tout le monde vient là, il dit que il pas senti le confortable, il récuse des juges et que c'est cassation qui pour statut ça. Donc c'est très bien pour l'État de droit et maintenant ça qui priorité pour nous aujourd'hui, focus là de mettre sur 123 millions de dollars que ce génère sous-facturé l'État. Et dans le moment où on a parlé là, on a pris c'est non seulement là l'autre confrère, c'est l'autre à cap préparé, c'est des offensives à nul autre pareil que nous mettre en branle pour permettre que l'État ici d'abord localiser 123 millions de dollars ça, pour permettre que au moment opportun la justice permette nous prendre pour nous permettre que l'agence ça retourne dans cet état pour aller servir contre les bébés. C'est ce qu'on a demandé avec les citoyens yo, pour être vigilant dans la bataille qu'il a fait contre la corruption, pour que l'agence a fait une bataille comme ça pour nous récupérer, pour ne pas passer dans la condition qu'on ait l'agent passé dans le pays en matière. Ah oh non, il y a des gens qui ne sont pas manger dans le pays. Il y a des gens qui ne sont pas manger dans le pays. Ils ne sont pas touchés. Ils ne sont pas touchés, frères et sœurs. Quand on va le passer pour manger, je vais le faire passer pour toucher. À qui je vais le marcher pour arrêter?
Quand des CPJ gen foug pour la arrêter moun sa. Donc journée jodi a commissaire gouvernement retire interdiction de départ. Pas de problème, mais c'est pas de jambe capra. Donc ça veut dire dans pays a immédiatement me fin font vie cause, me détourner, me faire sur facturation, me participer dans association malfaiteur, ou ça me doula me font paquet bêtises dans vieux société. Après 10-15 ans, depuis que j'ai l'argent, eh bien, je suis commissaire, retire l'interdiction pour moi.